Et c'est parti, le test du ZH2. Alors je vais pas vous la faire à l'envers, hein, je l'ai déjà testé donc je la connais cette moto. Un premier truc choquant, c'est la position, c'est incroyable, putain. La position roadster, t'es droit comme un i. C'est une chaise roulante le bordel. On va comme le H2 SX au final, on entend assez peu le compresseur. Là, je suis pas à l'aise avec le train avant. Le train avant roadster là comme ça. En fait je sors juste du Ninja H2 là. Donc passer sur le roadster, ça fait grave chelou. Alors forcément. On est sur une moto qui a un comportement très différent du ZH2, enfin du, pardon, c'est le ZH2. On a un comportement très différent du H2 SX. Un peu plus proche déjà de ce que peut donner la Ninja H2. En quand même beaucoup plus doux, c'est apporté avec beaucoup plus de sympathie, de fluidité on va dire. Mais par contre, là d'accord, je suis d'accord pour dire... Ça tire suffisamment les bras pour que ça s'appelle un H2. Là, d'accord. Son petit problème, c'est ça. Alors, ouais, ok, il a réglé le KTRC. Il a réglé le KTRC. En gros, voilà, tu vois, dès que tu accélères, c'est un kangourou, en fait. Voilà. C'est le problème de cette moto, c'est qu'il faut être absolument sur l'avant. Sinon, ben tu passes ton temps à jouer au kangourou. Donc moi à la base cette moto j'étais vraiment pas pour. En fait je suis pas d'accord avec la vision de Kawa qui est de dire je décline le H2 sous toutes ses formes. Pour moi le Ninja H2 se suffisait entièrement à lui-même. Une version H2R full patate, une version H2 homologuée, basta. Là, les mecs, ils ont commencé à faire une routière, un roadster. Donc moi ça m'a saoulé. Donc j'essaye cette moto en disant je suis pas d'accord. Et en fait, faut bien reconnaître que ça m'arrache la bouche de le dire, mais ils ont plutôt bien réussi leur coup en fait. La moto est vraiment agréable. Elle est vraiment puissante. Ça n'a rien à voir avec le H2 SX, hein, ça tire beaucoup plus. Le couple est disponible beaucoup plus tôt que sur ma H2. Moins brutalement, ça c'est clair, mais le couple est dispo assez tôt. Et c'est très agréable. Franchement, les roadsters, c'est vrai qu'on oublie à quel point c'est agréable d'avoir un roadster parce que du coup, tu as ta puissance qui est disponible tout de suite. Tu n'es pas obligé de monter dans les tours pour avoir toute ta patate. Ça va? Bon. Donc là en fait c'est vrai que dans des routes dans lesquelles tu peux pas aller très très vite, eh bien tu t'amuses bien avec ça parce que au final ouais c'est par là ouais. Parce qu'au final en fait, vu que hop là la vache. Vu que t'as ton couple très très tôt, ça te permet en fait d'avoir une vraie belle bonne puissance d'accélération sans devoir aller forcément à 8, 9, 10 000 tours et donc du coup sans être à 110, 120, 130. Tu peux déjà ressentir une bonne poussée alors que tu es à 60, 70. Donc dans les petits virages, ben du coup ouais, tu bénéficies de meilleures relances et du coup tu t'amuses plus. Donc vraiment, c'était une moto avec laquelle j'étais vraiment en opposition et je reste en opposition sur le papier, sur le principe. Maintenant, après l'avoir essayé,
Je peux pas être malhonnête en vous disant que cette moto elle pue. Elle me régale, honnêtement. J'aurais un roadster à m'acheter, elle est sur le haut de ma liste. Hein. Le compresseur il fait largement le taf. Hein. Mais vraiment largement. Quel plaisir! Donc ouais, franchement, plutôt satisfait, les suspensions sont bonnes. Alors elles sont moins bonnes hein, que le H2SX à l'évidence. Par contre, on va pas se mentir, le freinage il est bon, les suspensions font largement le taf pour ce que ça demande pour un roadster. Donc sur ça, rien à dire, on est dans les clous. En tout cas, moi avec cette moto, je me régale. Hein. Ouais, franchement, je m'éclate bien. Bon, la route, elle est un peu pourrave ici. Bientôt, Zevardi. Bon les gars, voilà, on a fini ce petit tour en ZH2 qui est accessoirement extrêmement brûlant, donc je viens de perdre ma paume de main. Ce que je voulais faire, c'était vous faire un mini comparo de ressenti entre le H2 et le ZH2. On oublie l'autre, vraiment juste ces deux motos-là. Est-ce que le ZH2 se rapproche et donne les mêmes sensations que la H2 pur jus? Non. Clairement non, mais ce qu'on peut pas enlever au ZH2, c'est que ça watte très très fort. Et je pense que de tous les roadsters que j'ai essayé, c'est même sûr, c'est le roadster qui watte le plus. Le compresseur, clairement tu sens qu'il arrache, ça arrache beaucoup plus que le H2SX, ça c'est clair et net. Mais vraiment... très bonne moto, le confort est top, après c'est pas la selle d'origine par rapport au H2. Ceux qui n'aiment pas les positions sportives, malgré un H2 qui est très accueillant, ils vont vraiment kiffer le ZH2 parce que t'es debout, quasiment quoi. Je trouve que t'as les pieds très bas, t'as une assise bien droite, t'as un guidon suffisamment en avant pour pas être en mode Jésus sur ta bécane. Donc c'est vraiment un H2 d'agrément, mais dynamique, vif. Le bordel il respire, il est vivant. Quand on roule, ça se soulève. Un peu trop d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il est peut-être trop léger de l'avant, bien qu'il fasse un kilo de plus que celle-là. Mais voilà, t'as ton couple qui est bas, t'as toujours de la réponse. Donc comparé au H2, bien que moins brutal, il a quand même son côté vivant, dynamique. Et pour ça, bien joué, bonne moto. En plus, c'est une deux places, donc tu peux faire goûter un peu l'expérience H2 à quelqu'un. Ça vaudra jamais l'expérience H2 Ninja pure souche, mais ça reste un putain de bon roadster. Sans déconner, je suis pas sûr qu'un Street Fighter V4 arrive à la hauteur des sensations que peuvent donner le ZH2. En plus, le TFT est vraiment cool. T'as un petit icône de répartition des masses et tout. Enfin, t'as plein de petites options supplémentaires que j'ai pas sur celle-là qui participent à enrichir un peu l'expérience. Donc, moi, j'ai kiffé. Et il faut te dire que ça, c'est 30 000. Ça, c'est 17 000. Donc, clairement, ça s'entend dans la balance. Voilà, moi, je suis plutôt positif, en tout cas. Franchement, moto que j'ai bien aimé. Et si je devais m'acheter un roadster, il serait dans le top 3 de mes choix, je pense. Ça c'est une certitude. Voilà. Merci à tous d'avoir check ce petit essai de mon humble personne sur le ZH2. Pensez à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour les notifs, ça fait plaisir. Un pouce bleu, vous savez que ça aide, ça fait plaisir. Un commentaire également, ça aide au référencement. Et puis, allez voir mon Instagram. Voilà, j'ai fait la pub complète, les mecs. Allez, merci, ciao.